compteur général, ici, dégâts des eaux, infiltration par le sol, suite à un réseau défaillant d'alimentation générale du bâtiment. L'eau s'évacue ici exactement, et puis inonde l'ensemble. On a une grosse partie d'eau potable qui sort dans l'évacuation ici. Ah ben, hop. Après, l'évacuation passe par là. On a détecté une anomalie ici en passant la caméra de la bouche d'égout là-bas jusqu'ici. Et il s'avère qu'on a trouvé ce fil de fer pour indiquer l'emplacement, mais je suis bien tombé. Là, on a une cassure importante, mais on a une trappe aussi, mais enterrée. On a l'eau qui passe par là, à l'intérieur, sous terre, passe par ici, et arrive ici. Mais ma fuite est là. Pourquoi, je ne sais pas. Bref. L'évacuation, bien sûr, passe par là, hein, et va atterrir à l'égout, là-bas. Et arrive ici. On a un réseau d'évacuation qui passe exactement comme ça, jusqu'à atterrir au prochain. On a une cassure au milieu. Il va déverser une partie sur l'extérieur, partie aux égouts. Le réseau d'alimentation passe par ici, fuite ici, possible à cause des grosses racines. Il faut bien que ça ait éclaté quand même. Il est haut, hein. Il dépasse le bâtiment. Il dépasse le bâtiment. 69, hop. Et va aller, et passe, pardon. Elle passe ici, là, le long ici, hop, elle passe par là, et à peu près un mètre, elle rentre dans le bâtiment, dans la cave. Intervention, à peu près 2 heures de travaux, de travail, de recherche. Et on a détecté. Sans plan, sans rien du tout. Juste avec le matériel. Et l'expérience, merci.